bien. Je suis cuit de ouf, voilà. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, les frères. Réveil compliqué, compliqué, les frères. Il est exactement 6h du matin, 6h03. Aujourd'hui les gars, grosse vidéo les frères. Aujourd'hui vidéo les gars, on va aller accompagner pendant 24 heures Ertist. Je vais passer 24 heures avec lui. Ça veut dire que là carrément aujourd'hui il m'a dit qu'on allait à Bordeaux. Il avait une vidéo à tourner, un de ses épisodes du coiffeur le plus rapide de France. Et ensuite après tout ça, son tournage, on va aller manger ensemble, on va passer la journée ensemble et tout. On en a pour sacrément longtemps. Mon train pour aller à Bordeaux, il est exactement à 7h30 du matin. Je me suis levé à 5h40. Là, je viens de faire ma douche. Je me suis séché les cheveux un petit peu, je me suis habillé. Et les gars, c'est parti, hein, c'est parti. Je vais prendre un petit truc à graille. Et on va directement décaler aller rejoindre l'artiste. La journée va être patate. Je sens que la journée va être patate. Donc voilà, la vidéo vient de commencer. Je compte sur toi, frérot. Si tu kiffes le concept, petit like, mets ton commentaire. Ça, c'est super important. Faites-moi vos retours. Qu'est-ce que vous voulez voir sur la chaîne? Qu'est-ce que vous voulez pas voir? En tout cas, 24 heures avec Ertist, les gars. J'espère que vous allez kiffer. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon, les gars, là, j'attends le bus. Je vais pas tarder à aller prendre le bus. C'est le matin. Petit chocolat chaud des familles. Ça fait plaisir les frères. Moi personnellement les gars j'ai pas... J'ai bien dormi mais... Les frères je fais que de penser hier. Wesh l'Algérie on a perdu les frères. Contre l'Angola, premier match de la CAN. Je vous jure les gars ça... Quand ton équipe elle perd, t'es pas bien, c'est trop chiant frère. En plus là la défaite qu'on a fait hier. Donc là les gars, vous avez, c'est pas pour la... Les gens ils vont dire ouais il fait semblant pour la vidéo. Voilà, les frères, j'ai cherché ce qu'il y avait à manger. Il y avait une barre protéinée, c'est Younes qui me l'a donné. À la noix de coco, elle date. Je savais même pas qu'on avait ça, je vais goûter, je vais voir si c'est bon. Ouais ça passe, c'est pas terrible mais bon. Bon les gars, je vais manger vite fait ma petite barre, mon petit truc parce qu'il y a une grosse journée qui nous attend. On se retrouve tout à l'heure quand je vais rejoindre l'artiste. Allez, à tout de suite. Joins Adrien, ça dit quoi? Putain, on a réussi à se réveiller, frérot. Ça va, j'ai un petit peu d'énergie quand même pour un matin. Ouais, les ouais, frères. ça va. Mais ce qui nous attend, le coup dur il va tomber dans l'après-midi là parce que là on est déter, on est excité par le tournage. On va ensemble, ça va être dur. Hein. Putain, on va te dire, est-ce qu'on va se supporter? Moi je pense que oui, on va bien s'amuser carrément, on va bien rigoler. À la fin, dans le train, on va se tourner le dos carrément, on va plus moi, calculer. Moi je vais être là, putain, et ça casse les couilles. Là, ah, là. Ouais. Regardez les gars, là il est exactement 7h22. Gare de MLV Chessy. La gare de Disneyland Paris. Ouais. D'ailleurs j'ai vu Disney là juste à l'instant là. Disney Village. C'était sympathique, y'a personne pour le moment. Mais... tu sais que j'ai jamais vu la gare aussi calme. Y'a personne frère. C'est ça qui fait du bien. Bah ouais. Moi personnellement je suis content. Il m'a dit que tu nous as pris des places au top. Ouais, j'essaie de prendre des places de 4 là comme ça on est posé tout ça. Voilà, donc les gars, bonne place, on va se placer et tout. Et on va y aller tranquillement, on a pour 3 heures de chemin. Ouais, 3 heures de train aller, 3 heures de train retour. Mais là c'est la fast life aujourd'hui hein. Là ça va être grosse journée mais je pense qu'on va kiffer. Ouais. Moi je pense qu'on va kiffer. Surtout l'événement de tout à l'heure, bon moi je vais pas vous spoil. Mais on va kiffer, on va essayer, de se grailler un petit truc sur Bordeaux aussi hein. Ouais. On va voir un petit dégustation. Je sais pas y a quoi à Bordeaux mais... Je sais pas, on va découvrir. Pressé de voir ce qu'il y a là-bas les gars, en tout cas on va découvrir votre ville. Bon Adrien, c'est parti pour le maxi. Regardez-moi ça. C'est grave. Wesh. Ouais, frère, on va manger une Tesla. Je me suis dit au moins, il va nous caler celui-là. Il fait 8,5 km, distance Paris-Bordeaux. Paris-Bordeaux, c'est ça. Comme ça, il nous fait tout le chemin, tu vois. Normalement, là, c'est 1 croc par kilomètre. Et regardez-moi ça. Un petit jus d'orange. Bien sûr, sinon ça va être sec. Hein. Et là, c'est quoi? Pomme. Pomme trouble. Pomme trouble. Pomme trouble pressée. Pas mal, ça m'a l'air pas mal. Je pense qu'on va se régaler en vrai. Allez, bien là. Allez, c'est parti, les gars. Moi, j'attaque direct. Faut prendre des forces. Hein. Ouais, c'est obligé. Bon, allez, c'est parti, les gars. Bon, le chocolat, il a l'air incroyable. Le maxi. Oh, il est grave bon. Mais qu'est-ce que c'est que ce pain au chocolat, les frères? Petit jus pressé. Les gars, jus d'orange, c'est la base de fou. Mais les cacam. Cacam, pourquoi il se barre la ouais, cam? Elle veut partir, carrément. En vrai les gars, ça c'est les meilleurs petits déj ça. Bon,
Il fait nuit encore, hein. De ouf. On va se retrouver quand on aura bien avancé, les gars. T'as mal, hein. T'as vu, on est où là? On voit pas grand chose. La brume, on voit plus rien. Ambiance bresson. En vrai, c'est bien de pouvoir sortir le téléphone et sortir tout le temps la cam. Ah ouais, ça fait du bien. Eh, la qualité, elle est incroyable. Mais arrête de mytho. Wesh. Elle est éclatée. Eh, t'es beau gosse là. Ah ouais. Pressé de voir à quoi tu vas. Pressé de voir, tu vas ressembler à quoi après cette vidéo. Le mec, attention, hein. Elle va d'être ça se trouve. N'aie pas peur, hein. Là, ça, c'est le mec un peu pensif. Vas-y, fais le mec pensif qui regarde. Grosse remise en question là. Oh là là, mais attends, mais gros. Ouais. Attends, vas-y, je vais te montrer tout ça. Rien. Ouais. Bien arrivé à Bordeaux. Ah, totalement là. Au bord de la Fiat 500 des familles. Allé, hein. Ça va, t'es pas trop serré derrière? Bon, ça va. Après, je ferai ma POV pour l'instant. Là, on te parle à toi pour le moment. Tranquille. T'as, c'est incroyable, t'es trop beau gosse là. C'est vrai? Je te jure. C'est exceptionnel. L'iPhone, il carie de fou. Ah, hein. Je te jure, il embellit, hein, c'est propre ça. Bon, comment tu sens les défis, tout ça là? Bah écoute, on va voir. On va voir comment ça va se passer. Hein. Ouais, je te jure. Hein. Moi, je te mens pas, je suis pressé de voir ce que je vais manger. Hein. Ouais. Oh, moi, j'ai la dalle. C'est sûr qu'il faut qu'on trouve un putain de resto là. En vrai, soit j'avais vu un truc de Smash Burger ou sinon, on sait jamais, peut-être qu'il connaît des adresses. C'est pas mal, on va lui demander directement. On va voir. Ouais, on va voir. Hein. Attends. Tranquille. Hein. Bon, les gars. Là, je sors pas la cam parce qu'elle est dans le coffre, flemme, tout ça, je vous petit débrief. On vient d'arriver tranquillement, là, on a récupéré nos affaires, on est descendu et on est venu nous récupérer. En plus, c'est quelqu'un de très spécial qui est venu nous récupérer. Je pensais pas que j'allais le rencontrer dans des circonstances comme ça, mais super sympa. Je pense qu'il fera une petite apparition dans le vlog plus tard, comme ça, il se présentera. Mais super, super sympa. On a bien parlé et là, on essaie de résoudre quelques petits soucis qu'on a eus. Mais en espérant que ça se passe bien. Normalement, il n'y aura pas de soucis pour la graille, normalement, déjà. Ouais. Mais. C'était pas pour ça qu'on venait de base. Bon, les amis, là, c'est la suite, les frères. On vient de sortir de Bordeaux. Plein de péripéties à vous raconter. On fera ça plus tard. Là, pour le moment, les gars, on m'a emmené manger. On m'a ramené dans une adresse. On m'a dit, là, je vais kiffer. Donc, les gars, là, on va faire un petit assortiment de plein de petits trucs à manger ici. Et leur spécialité, ça s'appelle Katsu. On va tester ça et je vais vous donner mon avis. Mais je pense que ça va être la frappe, la patate. En plus, je suis accompagné de bons guests. Je vais vous les présenter tout de suite après. Bon, Adrien, là, on est tous ensemble, les frères. Invité mystère. Là, tu sais que là, il y en a un. C'est sûr que là, il y en a. Là, ils vont te reconnaître. Ils vont se dire, mais qu'est-ce que Sofiane y fait là? C'est improbable. C'est grave improbable. Donc, on va pas tout leur raconter. On va leur raconter un peu, mais pas tout. Tout ce qui se passe depuis ce matin, c'est improbable. C'est incroyable ce qui se passe. Donc, regardez, les gars. Il nous a trouvé une adresse. Incroyable. Ouais, c'est incroyable. Donc c'est japonais, il m'a expliqué. Okay. Il s'appelle Katsu, ouais, et là voilà. Poulet Katsu, c'est ça. Poulet Katsu. Et lui, il attend son plat encore, malheureusement. Parce que j'aime pas les oignons nouveaux, donc voilà, je fais un peu ma resta. Ah là, c'est... Mais t'as raison, faut bien profiter de son repas. Du coup, là, on a quoi? On a des gyoza, poulet, légumes. Et crevettes. Et crevettes, ouais, c'est exactement là, ça. Là, c'est poulet croustillant. Ouais, avec sauce secrète. Oh, moi aussi, j'ai ça. Sauce secrète spéciale du chef. Là, on a 3 tenders et là, on a des nems. Poulet. Incroyable. Parfait. Là, ça va être vraiment un banger monumental, à mon avis, les gars. La boisson. Ah oui, la boisson. Alors, allez, les gars. T'as déjà vu des trucs comme ça ou pas? Non. Il faut que tu enfonces, en fait. T'as une bille ici, il va falloir que tu l'enfonces pour que tu puisses boire ta boisson. En tout cas, les gars, normalement, ça, c'est mon fruit préféré. Pastèque, ça va être banger. Ouais. Ça va être banger, c'est sûr. Bon, les gars, ça y est, c'est parti. Là, on va bien déguster. On attend le dernier plat et ça y est. Là, j'attaque direct, j'en peux plus. Là. Vas-y, Adri, commence. Bon, tu me conseilles quoi là? Je suis parti. Moi, je te conseille celui-là au poulet. Ça a l'air pépite. Allez, on se lance. Petite sauce aigre douce. Oh là là, ça se voit. Bah oui. Ça se voit. Bah oui, je suis ravi. Oh, c'est poulet curry, il y a du curry, je crois. Ah ouais? Bah oui. C'est pour ça qu'il est jaune, je crois. Ouais, c'est poulet curry, exactement. C'est poulet curry, hein, le... Ah, c'est ça, exactement. Tu vois? Incroyable. Moi, je vais goûter un petit truc en vrai. Moi, les gars, on va commencer. Je pense que je vais prendre un tenders. Hein. Les tenders, lance-toi, ici. Lance-toi. Petit tenders, les ça gars. Se voit que ça va très bien se passer pour toi. On est parti. C'est quoi comme sauce? T'as une petite sauce avec? Oui, blanche là. C'est la sauce, elle m'a dit. En fait, il y a des sauces du chef partout aussi, tu vois. Tartare ou je sais pas.
Mais wesh, les gars, le poulet il a un goût de fou. Mais vraiment, c'est extraordinaire. Parfait. Claro, moi j'attends mon nem. Hein. À l'attaque. Attends, mais le nem il est dans la sauce. Il est comme. Il crampe. Il est comme toi. Il est dans la sauce. Il est dans la sauce. Nem, ça c'est valeur sûre, ça en vrai. Ça se voit, c'est un nem. Ça c'est valeur sûre. Un imbattable. C'est classique. C'est imbattable. Imbattable. Moi je pense que il reste une seule chose là, vraiment. Il faut vraiment. C'est compris. Vraiment... Ouais, c'est compris. On s'est compris. On s'est compris. On s'est compris. Il n'y a pas besoin de. Chacun une fourchette. La fourchetta. Frérot, on y va. Tu vois un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Oh là là. Donc, ça, c'est la sauce spéciale du chef. Ce qui veut dire qu'on ne saura jamais ce qu'il sait. Mmh. Ah oui. La sauce secrète. Elle est vraiment trop secrète. Mmh. Un peu sucré. Oi, 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 teriyaki, un peu façon, tu vois. Oi, 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 oi. Faut que tu goûtes ça, Sofiane. C'est vraiment un banger. Un peu sucré, ouais. Teriyaki, un peu, tu vois. C'est vraiment un banger. Lance-toi, mon grand. N'aie crainte. J'attends ça depuis tout à l'heure, les amis. Tiens, on va tester directement le poulet. Regardez celui-là. Rempli de sauce, celui-là. Allez, bonne expérience à toi. En fait, tu sais, cette sauce. Mais ouais, c'est un truc de malade cette sauce. Mmh. C'est exceptionnel. Parce que t'as une sauce sucrée. Ouais. Et t'as une autre sauce. Ouais, la blanche, c'est celle-là. Ouais. Celle qui est sur le côté avec le tender. Voilà. Ça, c'est la blanche qu'on met de base. Ok. Ensuite, il y a une sauce qui est légèrement sucrée. Mmh. C'est un mélange entre une sauce japonaise et européenne. Si tu veux savoir un peu le truc. Parfait. Et on garde le secret. On garde le secret, bien sûr. Bien sûr, il faut garder le secret. Mais premier degré, je vous jure, c'est exceptionnel. Oh là 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 là, mais c'est qu'avec le poulet, ça passe tellement bien. Ah, c'est un peu comme du riz à sushi. C'est un peu comme du riz à sushi, ouais. C'est du riz. Ça, c'est ton best-seller d'ici ? Ça, c'est le best-seller. Ok, parfait. Les gens viennent pour ça. De Paris. De Paris, la preuve, tu vois. Personnellement, je comprends. C'est vraiment. C'est la première. C'est le Big Mac. C'est le Big Mac de 4. Avec les petits oignons, là. Oh, la valeur sûre. Non, là, franchement. On donne l'adresse. Ben évidemment. Voilà les gars, c'est ici hein. Après il va y avoir trop de monde, on pourra plus manger. Ouais, c'est chiant, ça va être blindé. Tu peux nous dire l'adresse. Alors l'adresse est à Mérignac. Je vais demander. J'ai demandé à des gens plus intéressés que moi. Jo, est-ce que tu peux me donner l'adresse s'il te plaît? L'adresse d'ici. Est-ce que tu me dirais pas l'adresse plutôt? 116 avenue de la Somme, 33700 Mérignac. Incroyable. Venez-moi les gars. Ceux qui ont Ceux qui ont l'occasion de venir les amis. Il faut vraiment, vraiment venir tester ça. C'est de la frappe atomique. Là, je vais poser ma cam. Et tu vas profiter. Je vais profiter de mon repas parce que c'est vraiment un banger. Si t'es Bordeaux là. Ah ouais. C'est quoi ce truc de fou là? C'est pas l'occasion de revenir hein. Mais Kevin, on a rien fait. Mais revenez. Ah ouais, mais j'ai mangé. On ferait une petite dune du Pila, on se prend des petites huîtres, des trucs. Ah oui. J'ai fait ça, c'est mon bail. Ça c'est mon bail. Faire des vrais trucs. Putain, je suis dégoûté, j'ai fait un katsu. J'ai mangé un katsu, ça y est. Fin de la visite. Tu veux une bouteille d'eau? J'en ai déjà une. Et là, il est, lui, il est plus organisé que moi, lui. Je connais. Tu m'ouvres là, pas? Ouais, je te fais la princesse, ça. Wesh. Vas-y, tiens, la queen. Tu m'ouvres là. Tu m'ouvres la porte. Ouvre-moi complètement. Voilà. Après toi, mon frérot. À l'arrière. Passe. Wesh. Voilà, il m'a tué, là. Là, on a 20 minutes, là. Aïe, 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 aïe. Oh, attends, faut dépêcher, gros. Le train il part à 58. Ah putain. On arrive à 57. Ouah, on est dans la merde là. Il part à 58. Oui, il part à 58. Putain, ça c'est ta faute ça. Ça c'est ta faute putain. Ça. Putain. Attends, il part une minute après qu'on arrive. Bon bah on est foutu. Tu dois arriver 5 minutes à l'avance pour les Diego, sache le. Ah mais là on a pas, on n'est pas. Si on respecte les limitations de vitesse. Voilà, je vais donc couper le vlog les amis. Respecter. À tout à l'heure. Oui, une dinguerie. On était à ça. Alors toi, Adrien, il a enchaîné des squats, parce qu'il a fait des squats, faut le dire quand même. J'avais jamais testé de ma vie. Il a fait des squats, on a enchaîné sprint pendant 5-10 minutes pour essayer d'avoir notre train. Là, faut savoir une chose, on est monté dans la voiture qui nous emmène à la gare, on arrivait à 16h57, notre train était à 16h58. On arrive là-bas à la file, là, au portique, et il y a un monsieur qui bloque et dit ouais, c'est 5 minutes à l'avant les Ouigo, 5 minutes à l'avance. Du coup, bah, il nous dit ouais, c'est mort. Et il nous dit non, c'est mort, vous passez pas. Après, il voit qu'on insiste. Au moment, il nous dit vas-y, faites ce que vous voulez. Non, il a pas dit vas-y. Il a dit quoi, vous savez, il a dit quoi? Il a dit bon, vous n'avez pas le droit de passer, mais si vous voulez passer, passez. On passe quand même. Et là, il parle au Toki.
il parle au toki, tu vois. Il y a trois personnes qui sont passées. Trois individus. Voilà, on dirait elle est dans un sprinter cell. Après, on avance, on scanne le ticket, on rentre dans le train. Et là, bip. Bip, bip, ça ferme. Les portes se ferment. Donc, BNF. Moi, les gars, je suis éteint. Et réveil 5h40 du matin. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ça pique. C'est quoi ce truc de fou là? On l'a fait. En tout cas, c'est fait. On n'aurait jamais dû être dans ce train de base, mais on y est. Pour savoir la victoire. On nous y est, pour savoir. On nous y est et on va arriver à la gare de Chessy. Merci Kevin. C'est vrai, merci c'est Kevin. Lui, c'est lui qui nous a emmenés à la gare, frère. Merci Kevin. Comme quoi, c'est un travail compliqué. Hein. Et un travail d'équipe. Travail d'équipe, mais travail compliqué. Faut pas négliger, les gars. Maintenant, il nous reste quoi? Miniature, montage. Bon, toi, t'as pas tout ça, toi? Non. Pas tout ça. Moi, j'entre à la maison, miniature, montage. Mais ça va le faire, ça va le faire. Bon. On l'a fait. On se retrouve tout à l'heure, les frères. Bien arrivé à la gare de Chessy. Le périple est terminé. Ça y est. Oh là là, quelle dinguerie! Mission validée avec succès, les amis. Eh, les gars, c'était dur, hein! Tu as voilà manqué. C'était. Tu as manqué là. Ah ouais. Ah, pendant une journée. C'est une blague, c'est la vérité. Non, non, je suis. T'as fait une dinguerie. Moi, c'est Kevin. Wesh, je fais des trucs de ouf. T'es pas là la jambe. Ah. Il y a le handek. Eh, j'allais dire quoi? J'allais dire en vrai. Même Kevin, il va manquer. On a passé une bonne journée. Ouais, Kevin. C'est dommage que c'était si court. Très bon délire. Ouais, mais je m'attendais pas. Les plus beaux moments sont les plus courts. C'est vrai. Mais genre, je m'attendais pas à faire une aussi belle rencontre aujourd'hui. Genre, vraiment, un mec en or et tout, on a bien rigolé. En tout cas, mais pourquoi il court? Il fait le 100 mètres pour voir. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est à courir. T'as dit quoi, BG? Mon gars, t'es en forme? Ouais. On rentre de tournage là. Ouais. Incroyable. Quoi? Je connais pas. Mais vous rentrez d'où comme ça là? Vous allez où à 17? Attendez. Aïe aïe aïe, c'est en dédicace. Oh, ah, on dirait bien, hein. C'est bien. Ouais. C'est dans la boîte. Allez, bonne soirée. Vas-y Adrien. À la prochaine. À la prochaine.